lundi 29, si je ne me trompe, voilà, lundi 29 octobre 2013 et 28 octobre. Voilà, merci mon frère Mike. Et donc, nous sommes lundi 28 octobre 2013. Nous sommes bel et bien direct sur TV et Radio de Vie. Il est 21h moins le quart, 20h45, pratiquement heure de Paris. Et on est bien en direct sur TV et Radio de Vie. Père, au nom de Yeshua, nous bénissons ton saint nom. Merci pour ta fidélité, papa. Merci pour ton nom qui est glorieux. Nous voulons te dire merci pour nos frères et sœurs qui viennent de loin. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, que ce soir, ta parole nous illumine, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous affranchisse. Pour ta gloire, Père, nous te prions. Au nom de Yeshua, Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons de très bonnes nouvelles à vous donner. Et la première, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est tout-puissant. Il est Dieu. Et il vient nous chercher. Alléluia. Et puis, plein d'autres nouvelles, mes amis, qui sont très bonnes. Et samedi dernier, vous avez eu des difficultés pour vous connecter sur TV et Radio de Vie. Il y a eu beaucoup de bugs. Et ce n'est pas de notre faute. Donc, je sais que beaucoup sont, mes amis, assoiffés. Beaucoup, n'est-ce pas, ne veulent surtout pas rater ces émissions où le Seigneur, mes amis, nous fait du bien. Et figurez-vous que ce samedi, pour la première fois depuis que TV de Vie a été, depuis que TV de Vie est créé, depuis que Télé de Vie existe, nous avons eu près de 3850 ordinateurs de connectés. Donc, sachant que derrière chaque ordinateur, il y a au moins un groupe de personnes de plus de deux. Il y en a un, ils se retrouvent avec deux ou trois, quatre personnes, d'autres 10, d'autres encore 30. Donc, en gros, il y a eu près de plus de 7000 personnes qui ont suivi le direct ce samedi. Voilà pourquoi nous avons connu ce bug. Je sais que cela n'était pas prévu, mais je vais inviter rapidement quelqu'un du côté de la technique qui pourra nous donner toutes les informations également. Les stats que nous avons. Et cela va beaucoup, beaucoup vous encourager, vous qui suivez TV de Vie, vous qui nous encouragez depuis toutes ces années. Voilà. Donc, je ne sais pas si Yann. C'est bon, c'est bon. C'est bon, mon frère Nicolas. Parfait. Donc, tu peux venir à mes côtés, pas de problème. Hein. Donc, Nicolas va pouvoir vous donner toutes les informations, tout ce qui se passe. Et actuellement sur TV et Radio de Vie, voilà. Donc, pourquoi il y a eu ce bug et le nombre de personnes de connectées. Je ne sais pas si on a le mail. Et tu de toute façon, tu as tout ça dans ta tête, donc il n'y a pas de problème. Ouais, donc par rapport en fait aux latences qu'il peut y avoir sur TV de Vie, c'est à cause de trop grand nombre de personnes qui se connectent. Donc là, donc samedi dernier, on a eu 4200 personnes, enfin 4200 terminaux connectés au même instant, Donc et 4200 4200, ouais, c'est ordinateurs. le dernier chiffre. Wow. Ordinateurs et décodeurs, ceux qu'on aura Ok, au TV ok. chez eux en fait. Donc 4200, et comme bah, du côté de Rao, ils n'avaient pas ce qu'il faut pour supporter ça, donc c'est de leur côté que ça a bloqué. Donc 4200 personnes, Voilà, 4200 maisons connectées. maisons qui ont suivi TV de Vie. Voilà. Donc ça fait plus de 10 000 personnes forcément. Bah, certainement. On continue. Et donc, au niveau du site donc, de TV de Vie, on est à 12 000 visiteurs uniques, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 12 000 personnes qui sont passées sur 12 000 di personnes différentes qui sont passées sur le site. Et également, Wow. donc, au niveau, bah, même depuis les derniers jours, là, en moyenne, normalement, on tournait les samedis à 1 200 personnes sur le site TV de Vie. Et samedi dernier, on est passé à plus de 4 000 personnes sur le site et plus d'une trentaine de pays. Bravo. Mes amis, Dieu ne cesse de nous surprendre. Qui a dit que Dieu n'est pas derrière tout cela? Qui a dit que Dieu n'est pas derrière tout ça, frères et sœurs? L'homme ne peut en aucun cas faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut toucher autant de personnes. Ce samedi, comme vous l'avez entendu, il y a eu
4200 maisons de connectés. Donc, sachant que dans chacune de ces maisons, il y a au moins plus de 2 ou 3 personnes. Donc, on va dire qu'il y a eu plus de 10 000 personnes de connectées ce samedi, donc sur TV de Vie. Frères et sœurs, c'est la révolution qui arrive. Alléluia. Donc, eh ben, notre hébergeur qui se trouve aux États-Unis était obligé de nous proposer un serveur carrément propre à nous, donc pour pouvoir un serveur qui nous permettra d'avoir plus encore de connexions, plus de connexions. Et là, mes amis, je vous assure, frères et sœurs, alléluia, la révolution arrive dans les nations au nom de Yeshua. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et frères, oh oui, on peut vraiment bénir le Seigneur, frères et sœurs, alléluia, gloire à Dieu. Et je crois que nous avons les images, les stats là, les statistiques. Benoît, merci. Voilà, donc on ne voit pas bien. Je ne sais pas si on peut zoomer là, quelque part là. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Voilà les pays, le nombre des pays, frères et sœurs, qui sont connectés en permanence. Hein, vous avez notre cher beau pays, la France. Vous avez la Belgique, l'Allemagne, le Canada, hein, l'Angleterre, United Kingdom. Et voilà, donc on va bien vous le montrer pour voir l'œuvre que le Seigneur fait. Et voilà, tous ces pays, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Et c'est impressionnant. Les frères et sœurs, les défenseurs de la saine doctrine sont dans ce pays en train de suivre les enseignements et de partager l'évangile autour d'eux. Voilà, donc c'est les 5 continents qui sont touchés. Merci Seigneur. Donc les 5 continents, frères et sœurs, Dieu est en train de nous surprendre, de nous étonner. Donc là, je vois également le Congo RDC. Voilà, magnifique le Seigneur. Donc, le Monaco, le Ghana, la Chine, le Burkina Faso, le Togo, les Philippines, la Polynésie française, la Turquie, la République tchèque, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, les îles, Haïti, Finlande, Mexico, la République dominicaine, et enfin, c'est le Pakistan, l'Ouganda, l'Indonésie, c'est... Voilà, voilà, voilà les pays. Voilà, c'est parfait là tout à l'heure. Là, c'était parfait. Le Soudan, voyez, l'Australie, Malte, l'Angola, le Burundi, le Pakistan. Mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que Dieu fait, frères et sœurs. Là. Israël, Israël, alléluia. Shalom, 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 alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. La Colombie, Chypre, Djibouti, Estonie, l'Égypte, l'Hongrie, la Corée du Sud. Le Lebanon, le Tchad, la Tanzanie, voilà, donc, et puis l'île, Virgin, tout ça, là, c'est magnifique ce que Dieu fait, frères et sœurs, c'est glorieux, tout simplement glorieux, voilà. Donc, et puis, une autre bonne nouvelle, hein, vous savez, quand, jamais une sans deux, hein, donc, jamais un sans deux, et nous avons totalisé, merci Seigneur, par rapport à l'achat des locaux pour notre centre de formation, pour TV de Vie, nous avons aujourd'hui totalisé 150 000 euros. Mes amis, 150 000 euros que le Seigneur nous a donné en 11 mois, en 12 mois bientôt, et grâce à vos prières, grâce à vos dons. Et donc, il nous reste à peu près 40 000 euros pour prendre cash, comptant, sans prendre de crédit, ces locaux où des frères et sœurs viennent du monde entier pour se former. Et merci Seigneur pour votre mobilisation, mes amis. Et notre papa est en train de nous démontrer que quand il y a un réveil, eh ben, il y a des guérisons, il y a des conversions également, mes amis, les frères et sœurs qui sont touchés de par le monde, qui soutiennent l'œuvre de leur père. Toute la gloire revient à Dieu. Alors, il y a des frères et sœurs qui nous posaient la question, ces locaux, ce n'est pas pour l'église, tout ça, est-ce que vous avez dénoncé les locaux hier? Ce n'est pas des locaux, ces locaux ne sont pas des locaux pour des réunions d'une église, ce sont des locaux pour notre chaîne de télé, TV de Vie, que vous suivez en ce moment. Nous ne pouvons pas émettre depuis la rue. Voyez, donc il nous faut des locaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est pour TV de Vie, c'est pour Radio de Vie, c'est pour également le centre de formation que nous avons mis en place, où les frères se viennent du monde entier pour se former. Comme c'est le cas des frères qui viennent de la Guadeloupe. Tout à l'heure, ils vont vous saluer. Et ces locaux seront également utilisés pour notre bibliothèque, où on pourra, on a déjà plusieurs livres anciens
qui sont mes amis, qui nous sont envoyés par des frères et sœurs du monde entier. Et ben, il y aura un espace dédié à la méditation, à la lecture de la parole de Dieu. Vous pourrez venir également vous documenter gratuitement. Voilà, donc, d'ici la fin de l'année, ben, nous allons pouvoir concrétiser cet achat. Et grâce à vos prières, grâce à votre soutien. Et nous voulons donner toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Vous savez, on a des gens ont critiqué notre Dieu en disant que parce que la dîme est dénoncée par ses frères et sœurs, parce que beaucoup ne donnent plus la dîme, voilà pourquoi Dieu ne soutient plus financièrement l'œuvre. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, dans sa bonté, est en train de nous donner, mes amis, de nous fortifier, de nous montrer, n'est-ce pas, sa grandeur au travers de vos prières, de tous ces soutiens. 150 000 euros en 11 mois. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua. Amen. Voilà, je me tenais quand même à le souligner parce que, vous savez, nous menons un combat depuis des années où on nous a fait croire que sans la dîme, Dieu ne peut pas bénir les frères et sœurs, ne peut pas soutenir son œuvre, et il nous prouve le contraire aujourd'hui. Et cela encourage tous ces frères et sœurs dans le monde entier qui dénoncent la dîme, et ils ont la preuve encore là aujourd'hui que Dieu soutient son œuvre. Que Dieu soit béni, que toute la gloire lui revienne. Voilà, donc... merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Ce soir, c'est une soirée, mes amis, spéciale. Serrez bien vos ceintures parce que nous allons vous montrer des images des, mes amis, des promoteurs de l'évangile de la prospérité, hein, de l'évangile de prospérité. Nous allons vous montrer des chantres chrétiens qui vendent leurs albums, leurs concerts. Nous allons vous montrer des pasteurs qui se font ordonner avec des soutanes. Et on va vous montrer, mes amis, l'analogie entre ces pasteurs soutanés et les prêtres catholiques soutanés. Vous verrez que, mes amis, c'est grave, l'heure est grave. Donc, invitez vos amis à se connecter parce que je crois que ce soir, ils vont être encouragés, non par nous, mais par le Seigneur, notre Dieu. Voilà. Mais bien avant de... vous montrer toutes ces images et avec la parole qui, n'est-ce pas, sera utilisée comme base, comme preuve pour dénoncer toutes ces pratiques, nous voulons recevoir nos amis qui nous viennent de loin. Voilà, donc les micros sont là. Bonsoir. Voilà, vous pouvez vous servir, hein, pas de problème, donc c'est gratuit. Voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Donc les micros près de vos bouches pour vous faire entendre. Et alors, d'où venez-vous et qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Karine, j'ai 15 ans et je viens de la Belgique. Karine, tu as 15 ans et tu viens de la Belgique? Oui. Voilà. Donc, Karine, tu es chrétienne? Oui. D'accord. Depuis combien de temps sers-tu Jésus? Depuis longtemps, mais disons, ça fait 2 mois que je le sers réellement. Waouh. Wow. Alors, raconte-nous un peu, Karine, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une église. Mm-hmm. Et là, j'avais appris que servir l'Église, c'était servir Dieu. Mmh. Et j'étais dans une chorale, j'ai chanté, mmh. mais en même temps aussi, je vivais dans le monde. Mmh. Et je croyais que c'était ça, au fait, servir mmh. Dieu. Et donc voilà, j'ai continué à faire ces deux choses en même temps. Et Dieu m'a ouvert les yeux au fait que j'étais pas dans le bon chemin. D'accord. Donc tu es tombée sur le message. Oui. Et ensuite, tu en as parlé à... aux dirigeants de ta chorale. Ouais, au fait, je venais dans les réunions de réveil à Bruxelles, mm-hmm. ce qui n'était pas permis au fait de mon église. Donc on t'interdisait d'aller, de venir oui. Aux réunions de réveil. Oui, donc je devrais le faire en cachette, tant qu'ils me voient. Et donc une fois ils m'ont vu et c'était des problèmes à l'église à cause de ça. Et je devrais me justifier pourquoi j'allais dans une autre église, que c'était pas bien. Qu'il fallait servir qu'un seul maître, qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Waouh, donc le fait d'aller prier avec d'autres chrétiens, d'autres oui. assemblées, pour eux, c'était servir 2 maîtres. Oui. Mais ça alors. Ben dis donc, eh ben, on va revenir peut-être sur toi tout à l'heure. Bonsoir aussi à deux sœurs qui sont avec Karine. Hein. Vous venez également de la Belgique. Hein. Oui, on vient de la donc Belgique. Donc vous êtes de la même famille, si j'ai bien oui, compris. Oui. Oui, comment c'est ton prénom déjà? Grâce. Grâce, donc ta caméra est là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Grâce? En fait, c'est tout comme elle.
elle a dit. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout pour nous, pour pouvoir aller dans la lumière. Enfin, je veux dire, changer d'église. Mais comme Dieu nous a donc ça allait. Donc, et là, tu as découvert la vérité. Est-ce que c'était un choc pour toi? Comment ça? Est-ce que tu as été choquée quand tu as entendu cette vérité? Oui, c'est vrai, parce qu'on a vraiment beaucoup appris et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on ne voyait pas et que là, on voit maintenant. Wow, parce que les écailles sont tombées et les choses deviennent plus claires, tout ça. Et c'est de ça qu'on parlait dans la voiture en venant. D'accord, avec le Seigneur soit béni. Voilà, donc vous êtes arrivé il y a quelques heures et vous allez rentrer tout à l'heure à Bruxelles. Voilà, donc merci Seigneur. Et quel âge as-tu déjà? Excuse-moi. 18 ans. 18 ans, que Dieu soit béni. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Moi je m'appelle Natacha. Natacha, oui. J'ai 14 ans. Et moi aussi, grâce à ma sœur, ma grande sœur Karine. Donc ben, Karine, c'est ta grande sœur, hein? Oui, c'est okay. Ma grande sœur. À 16 ans. Ouais. Oui, grâce à elle, et parce qu'elle a été utilisée par Dieu, mm-hmm. Ben, c'est grâce à elle qu'on a pu voir réellement Dieu. Mm-hmm. Ouais. Donc tu chantais aussi dans la chorale? Oui, j'allais intégrer la chorale, oui. Mais je n'étais pas encore réellement dans la chorale parce que je ne voulais pas. Je me disais, je n'étais pas encore prête. D'accord. Oui. Et le message t'a touchée. Ouais, je me rappelle ce jour-là, vendredi de réveil, tu pleurais. Oui, j'ai pleuré. Je ne savais même pas pourquoi parce que d'habitude, je ne pleure pas. Je suis très fermée. Je n'aime pas montrer mes sentiments. Et là, j'étais vraiment touchée. Waouh. Waouh. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Et tu voulais rajouter quelque chose, Karim, peut-être, non? D'accord. Ça va venir tout à l'heure, ça va venir de toute façon. Voilà, donc nous avons aussi un jeune homme qui est là, qui est venu avec vous. Et bonsoir. Bonsoir. Comment c'est ton prénom? C'est Adonis. Adonis. Alors, Adonis. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ben, moi aussi, j'étais dans la même église. Mm-hmm. Et ce qui m'a poussé à quitter là-bas, c'est quand j'ai observé des choses que j'avais déjà remarquées. Mm-hmm. Mais que j'étais pas encore trop sûr de moi. Mmh. J'avais par exemple remarqué que là-bas, il y avait une certaine idolâtrie et que ceux qui prêchaient la parole, ils cherchaient plus les titres. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, à un moment, il y avait un apôtre qui revenait d'Afrique. Et au moment où il arrive, je vois tout le monde qui se lève et qui, la personne qui a le micro, il dit même « applaudissez l'apôtre ». Wow. L'apôtre. Moi, je me dis, mais Tout ce qu'on se lève, là, tout ce qu'on fait, on applaudit comme ça, mais ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors que nous sommes ici pour Dieu. Mm-hmm. Et c'est ça, toutes des petites choses comme ça dans l'église qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont dit, non, vraiment, ici, c'est pas ici que je veux agrandir ma relation et ma soif de connaissance avec Dieu. Et c'est après ce qui m'a fait changer aussi, et comme je les connais aussi, elles aussi m'ont invité, m'ont dit... invité à venir suivre un culte là-bas. Et tu as été touché, tout ça? Oui, vraiment, là, j'ai été touché. Là, j'ai senti qu'il y avait, une humiliation comme ça chez ceux qui prêchaient, qu'ils n'aimaient pas qu'on les appelait des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Non, vraiment, ils prêchaient et on sentait que c'était naturel, quoi. On sentait vraiment l'onction de Dieu, là. Amen. Et c'est ça qui m'a fait... qui m'a donné l'envie et vraiment que j'ai dit vraiment non, ici c'est ma place. Dieu soit béni. Amen. Alors que Dieu soit béni frères et sœurs, et les autres frères et sœurs vont pouvoir s'exprimer peut-être tout à l'heure, et vous aurez également tout au long de l'émission la possibilité, donc vous avez la possibilité de pouvoir nous appeler et, sur le fixe de la télé de vie. Et je tenais aussi à dire merci au Seigneur et aux frères et sœurs de Londres. Et vous savez que hier, on a eu une réunion de réveil à Londres. Le Seigneur nous a agréablement surpris. Et beaucoup de frères et sœurs avaient répondu à l'appel. Et il y a eu des conversions des enfants de 6 ans, 7 ans. Et il y en a eu une particulièrement qui a certainement 9 ans et qui pleurait dans la présence du Seigneur tellement qu'il y avait sa présence. Et il y a une jeune fille qui est venue, qui a été invitée par une de ses amies, qui était cette jeune femme est enceinte. Elle est païenne, on l'a invitée, elle a quoi, 21 ans. Elle voulait avorter à tout prix parce qu'elle est enceinte, elle n'est pas mariée. Elle est enceinte et
Elle est venue, elle a écouté la parole, on lui a posé la question si elle voulait garder cet enfant, elle a refusé, mais à la fin, le Seigneur l'a tellement touchée qu'elle s'est mise à pleurer et elle a décidé de garder ce bébé. Voilà. Donc Dieu travaille et nous bénissons vraiment son nom. Et merci mes frères et sœurs de Londres pour vos prières, pour tout ce que vous faites dans le royaume de Dieu. Voilà, le business dans l'église, le commerce et la vente des produits dérivés. Et le nom de Yeshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, qui devient, mes amis, un moyen pour beaucoup de se faire de l'argent. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Alors, je demanderai à Karine, si c'est possible, de nous faire la lecture. C'est possible? Tu vas essayer, parfait. Et Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 au verset 20. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu ne voies que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Donc, mes amis, la conclusion est dramatique. Laodicée, la septième et la dernière église. Et pourquoi la septième? Parce qu'on le sait, le nombre 7 est le nombre de l'absolu. De l'absolu. Lorsque Dieu, dans les Écritures, voulait exprimer une pensée, n'est-ce pas, et absolue, ben, il se servait du nombre 7. Et 7 nous parle aussi de la perfection. La perfection ou encore le paroxysme. Hein, donc, aussi bien dans le mal que dans le bien. Hein, donc, et l'église de Laodicée, qui est la septième église, n'est-ce pas, est une église qui est, mes amis, qui a atteint, n'est-ce pas, une église dans laquelle le péché se vit. Une église dans laquelle le péché, mes amis, a pris des proportions, mes amis, inégalées. Et une église qui a atteint, mes amis, le summum dans le mensonge, dans la cupidité particulièrement, dans l'enrichissement personnel. C'est-à-dire, les dirigeants de l'église de Laodicée sont très, très riches financièrement et matériellement. Et cette église-là a remplacé Dieu par l'argent. Cette église a expulsé Jésus-Christ pour l'amour de l'argent. Et on le voit, n'est-ce pas, au verset 20. La conclusion est dramatique. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mes amis, c'est grave. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, cette église de Laodicée, l'église de Laodicée n'avait plus de communion avec Dieu. Voyez, cette église ne soupait pas avec le Seigneur. Et regardez, mes amis, le contraste entre le chapitre 1er, le verset, mes amis, du verset 1er au verset 20, et le chapitre 3 d'Apocalypse, le verset 20. Vous avez vu le contraste entre ces deux
passages, le chapitre 1 et le chapitre 3, on voit dans le chapitre 1 de ce livre, le Seigneur marcher, hein, on le voit marcher au milieu de cette chandelier d'or. Regardez bien, au verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Voilà, Jean voit Jésus dans sa gloire, le maître glorieux, marchant au milieu de l'église. Mais, mes amis, quant à l'église de Laodicée, qui était en Christ, parce que le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, je vais te vomir. Donc, si le Seigneur déclare cette parole, si le Seigneur menace cette église, s'il menace de vomir cette église, c'est qu'elle était en Christ. Elle était en Christ. Cette église avait été visitée par Dieu. L'ange de l'église de Laodicée avait été sauvé. Il était un bon messager. Il était un bon chrétien, un bon prophète, un bon apôtre, un bon évangéliste, un bon ancien diacre honnête. Mais il s'est passé quelque chose dans le cœur de ce messager envoyé par Dieu. C'est-à-dire, l'amour de l'argent a commencé à prendre place. La cupidité s'est installée dans son cœur. Et petit à petit, cet ange est tombé dans l'amour de l'argent. Et il a commencé à servir le dieu Mammon, ou Mammon, le dieu, n'est-ce pas, et de la richesse, plutôt que de servir le Seigneur. Et ça, c'est grave. Et, mes amis, le Seigneur, qui n'aime pas le mélange, parce que cette église, mes amis, était tiède. Cette église mélangeait le froid avec le chaud. Mes amis, cela correspond bien sûr à l'automne. Vous savez, pendant l'automne, mes amis, les arbres, mes amis, ne portent pas de fruits. Alors, cette église n'avait aucun fruit. Et qu'est-ce que l'ange va dire, mes amis? L'ange dira, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. L'ange de l'église de Laodicée, mes amis, s'était enrichi. Comment? Eh bien, il s'était servi, certainement, des dons que Dieu lui avait donnés gratuitement. Aussi bien les chants que les aptitudes musicales. Bien évidemment aussi la parole, la connaissance, l'évangile. Le ministère que Dieu lui avait donné, cet ange, ce messager, ce prédicateur, a utilisé les grâces que Dieu lui avait données gratuitement pour s'enrichir au lieu d'enrichir les chrétiens, au lieu d'enrichir les frères et sœurs. Il a plutôt, n'est-ce pas, utilisé son ministère pour devenir riche. Il a vendu, mes amis, les talents que Dieu lui avait donnés. Il s'est servi de la connaissance qu'il avait pour exiger, mes amis, aux personnes qu'il formait de l'argent en échange. Il s'est servi, mes amis, des chansons que Dieu lui avait données, inspirées gratuitement pendant la prière, pour vendre ses CD, vendre ses concerts. Donc, bien évidemment, il s'était enrichi. Et il disait qu'il n'avait besoin de rien. Et regardez ce que le Seigneur dit ici. Et parce que tu dis que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mes amis, écoutez. L'ange dit qu'il est riche, qu'il s'est enrichi. Mais pourtant le Seigneur l'appelle pauvre.
Donc nous comprenons ici que, mes amis, les critères qui définissent la richesse selon les hommes n'ont rien à voir avec ceux du Seigneur. Pour les hommes, mes amis, de cette génération, être riche, c'est avoir des billets de banque. Pour beaucoup de chantres chrétiens, beaucoup de pasteurs, être riche, c'est avoir beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Mais pour Dieu, c'est le contraire. Il le dit ici, tu es pauvre. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Comment Dieu peut-il appeler un homme riche financièrement pauvre? Comment Dieu peut-il le qualifier de pauvre alors que financièrement cet homme est riche? Eh bien, frères et sœurs, Dieu, n'est-ce pas, n'a-t-il pas dit dans Ésaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées? Vos voix ne sont pas les miennes? Eh si, mes amis, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de nos églises dites évangéliques, pentecôtistes, baptistes, de réveil, indépendantes, mes amis, proclament l'évangile de prospérité. Et, mes amis, ils sont prêts à tout, ces prédicateurs de, mes amis, cette génération, ils sont prêts à tout pour se faire de l'argent, ils sont prêts, mes amis, à tout, à vendre, mes amis, leurs propres âmes pour se faire de l'argent. Et je vous assure qu'ils font beaucoup de victimes sur le plan financier. Énormément. Et l'émission de ce soir, mes amis, est basée sur justement l'église de Laodicée. Et c'est aussi le titre, par la grâce de Dieu, du prochain livre que le Seigneur m'a donné à écrire. L'église de Laodicée. Oh Seigneur, sauve-nous. Cette église, comme vous l'avez appris, a chassé le Seigneur, a expulsé Dieu de ses portes. Et le Seigneur se retrouve devant sa porte et il frappe à la porte. Il frappe. Et vous savez que quand je me suis converti en 86, ceux qui m'ont donné les enseignements de base, notamment celui qui est pour moi comme un père de la foi, se servaient de ce passage d'Apocalypse 3:20 pour parler de la conversion des païens. Et beaucoup des pasteurs se servent de ce passage pour, n'est-ce pas, prêcher l'évangile aux païens en leur disant « Le Seigneur est à la porte de vos cœurs et il frappe dessus et il attend que vous lui ouvrez vos cœurs pour qu'il entre en vous. » Mais pourtant, si nous voulons rester bibliques, ce passage concerne, mes amis, l'église de Laodicée. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui croient être en Christ, tout en prêchant, mes amis, la prospérité, en prêchant un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché. C'est à eux que ce passage, mes amis, a été, mes amis, écrit. Parce que le Seigneur est chassé de ces églises. Remplacé par le Dieu Mammon. Matthieu, chapitre 6. Seigneur, sauve-nous. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un nom araméen qui signifie richesse. L'ange de l'église de Laodicée, mes amis, a préféré servir la richesse. Et il pensait que le fait d'être riche, mes amis, allait lui accorder, mes amis, le privilège du Seigneur, le regard du Seigneur, qu'il serait approuvé par le Seigneur. Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas ainsi que le Seigneur voit les choses, frères et sœurs. Et Yeshua l'a si bien signifié ici. Il a bien dit que on ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est impossible de s'attacher à deux maîtres, mes amis, simultanément.
Ça, c'est ce que le maître nous apprend, Yeshua. Et il a totalement raison. Parce que notre cœur ne peut aimer qu'un seul maître, qu'un maître à la fois. Et le Seigneur nous apprend que si l'on sert Dieu, on sera attaché à lui. Et si l'on sert Mammon, pareil, on sera également attaché à lui. Or, il se trouve que l'ange de l'église de Laodicée, qui n'est rien d'autre que, mes amis, l'image de la plupart des pasteurs, des prophétesses de notre génération, aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Amérique, en Asie, qu'en Amérique latine ou en Afrique. Ces prédicateurs sont plus attachés à la richesse, plus attachés à l'argent qu'à Dieu. C'est normal, parce que leur maître, c'est l'argent. Voilà pourquoi, pour vous dépouiller, comme vous le savez si bien, ils vont, mes amis, remettre à l'ordre du jour la pratique de la dîme. Oh, cet enseignement sur la dîme comme étant une pratique mosaïque et qui ne doit plus être observée aujourd'hui. Cet enseignement est comme un pavé jeté dans la mare. Cet enseignement, mes amis, a provoqué, a suscité de l'antipathie, de l'animosité de beaucoup de prédicateurs, mes amis, contre ma personne et contre mes amis, les frères et sœurs dans le monde entier qui prêchent le même message, des frères et sœurs que nous ne connaissons pas forcément. Parce qu'on a touché le problème, mes amis, on a touché, mes amis, le problème auquel ils sont, la racine de leur ministère. Voilà, si le fondement s'ébranle, le juste que fera-t-il, nous dit Psaume 11:3. Eh bien, le fondement de leur ministère, c'est l'argent, c'est la dîme. Et ils se servent des passages de l'ancienne alliance pour exiger le paiement de cet impôt aux chrétiens. Voire même l'épisode d'Abraham. Alors qu'Abraham est le père de la foi et ses dirigeants sont aussi des pères de la foi, c'est Abraham, le père de la foi, qui a payé la dîme une seule fois à Melchisédek. Et il n'a pas exigé le paiement de la dîme à son fils Isaac. Mais contrairement à nos bishops d'aujourd'hui qui se considèrent comme les pères de la foi et qui en même temps exigent à leurs enfants dans la foi le paiement de la dîme. Ils font le contraire de ce que Abraham a fait, tout en se référant à Abraham. Oh Dieu, sauve-nous. Et plein d'autres offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place plein d'autres offrandes parce qu'ils veulent avoir un salaire. Alors que c'est Dieu qui doit logiquement nous donner notre salaire. Alors c'est le monde à l'envers. Voilà. Donc à cause de l'amour de l'argent, eh bien, ils ont créé tout un système bien, mes amis, bien solide. Et j'appelle cela la mafia. Ce sont des mafieux. Et mes amis, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et quiconque ose parler sur la dîme, eh bien, mes amis, va provoquer la colère, la fureur de ces mafieux. Et les vrais pasteurs, ceux-là qui craignent le Seigneur, il y en a très peu, et nous voulons aussi les encourager à proclamer la vérité au nom de Yeshua. On a tellement encouragé, on encourage tellement les chrétiens à acheter, à vendre dans leurs églises locales que ces assemblées sont devenues, mes amis, des maisons de trafic, comme quand le Seigneur avait pris ce fouet pour chasser du temple les vendeurs de bœufs et des pigeons et les changeurs de monnaie. Eh bien, nos églises sont devenues des maisons de trafic, tout simplement. Voilà. Parce que nous sommes à l'âge de Laodicée. Nous sommes à l'âge de Laodicée. Voilà. La septième église, celle qui va précéder le retour de Yeshua. Voilà pourquoi cette église de Laodicée monte en puissance. C'est une église, c'est l'église émergente, c'est l'église, mes amis, paganisée, c'est l'église écuméniste, c'est l'église, mes amis, fédérée. Une église avec une fonction pastorale, mes amis, qui n'a rien à voir avec la fonction pastorale dont il est question dans les Écritures. Une fonction pastorale, mes amis, qui a remplacé Jésus-Christ, le vrai pasteur, le bon berger, dans les cœurs de chrétiens. Au point où on empêche les chrétiens d'aller prier ailleurs. On les menace de malédiction s'ils ne payent pas la dîme. Alors que dans les Écritures, aucun pasteur n'a pris la dîme de quelqu'un. Et ils disent, ces pasteurs, qu'il faut que les chrétiens payent la dîme parce qu'eux, ils sont sacrificateurs.
ils sont lévites. Ils oublient que Jésus-Christ n'est pas, Jésus-Christ homme, n'est pas lévite. C'est un judéen. Il est sorti de la tribu de Judas. Et que tous les chrétiens de ce fait sont des judéens. Et que les judéens dans la Bible ne prenaient la dîme de personne. Oh, que Dieu nous délivre, frères et sœurs, de ces escrocs, de ces vendeurs de mouchoirs, de guérison, ces partisans, mes amis, de la prospérité, ces vendeurs, mes amis, de ces marchands de miracles qui exigent de l'argent aux chrétiens malades avant de prier pour eux, ou encore de l'argent pour les entretiens. Ce sont des voleurs. Il faut les dénoncer ouvertement. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et les prophètes européens de malheur, et les prophètes africains, on va dénoncer tout le monde. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Des conférences sont organisées de plus en plus pour dépouiller les chrétiens, aussi bien par les Africains que par les Européens ou les Américains. On va dénoncer tout ce monde d'après. Mes amis, l'équipe technique est déjà préparée là-bas. Là. Et on va voir également l'ordination des pasteurs, tout ça là dans nos églises. On va voir que c'est comme du catholicisme romain. En fait, ces églises ont rejoint l'église mère, c'est-à-dire la Sainte Église catholique romaine. Et je vous assure, frères et sœurs, je me suis aperçu que si quelqu'un veut aller en enfer, eh bien, qu'il fréquente ces églises. Voilà. Nous devons être comme Lot, comme Noé. Chacun doit bâtir, mes amis, mettre en place un culte familial à la maison. Parce que les temps sont difficiles. Les gens se battent pour les titres. Ils se battent pour les postes. Ils se battent pour donner leur numéro aux frères et sœurs pour qu'on les appelle. Ils se battent pour le ministère, frère. On n'a plus ces considérations-là. Il faut passer à autre chose, frères et sœurs. Nous devons nous préparer pour le retour de Yeshua. Les temps sont mauvais. Et je parlerai tant que Dieu me donnera la force. Je parlerai parce qu'il m'a dit, sonne la trompette. Je parlerai. Et comme je le dis toujours, je ne vous recommande aucune église, aucun pasteur. Je vous recommande le pasteur de pasteurs qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors l'équipe technique va nous balancer quelques images là. On commence d'abord par la vente. Voilà, c'est pas grave, comme on a déjà cette image là. Alors voilà une conférence Paris 2014. Hein. Alors on va voir bien le titre, mes amis. D'abord là, sur la gauche de l'écran. Ou la droite, hein, par rapport à l'équipe technique, voilà. Est-ce que c'est possible encore d'aller, de bien voir, montrer le titre? Voilà. Alors, transformation, c'est transformation là? Transformation. Et transformation, voilà. Donc, je ne sais pas de quelle transformation s'agit-il. Alors, Paris 2014. Et voilà. Alors, c'est Harvest Ministries. Voilà. Signes et miracles. Donc, si vous voulez des signes et des miracles, eh bien, connectez-vous à ce site paganisé, hein, le site paganisé, donc organisé par Thierry Kopp. Et cette formation, d'après lui, est un catalyseur pour votre destinée. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a déjà propulsés dans le royaume du céleste, mais c'est la formation que lui va vous donner. Voilà. Donc, l'équipe technique va revenir encore sur l'image. Au nom de Yeshua. Alors, voilà, donc on met bien la tour Eiffel pour que les gens sachent quand même qu'il est, c'est le Paris dont il est question. Alors, on va voir combien ça coûte tout ça, là. Voilà. Donc, il donne bien sûr un passage biblique. Hein, donc, et puis, tarif et info transport. Tarif, 50 euros par personne. Session. 80 euros par couple. Voyez ? Ça, c'est un voleur. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un marchand de miracles. C'est un messager de l'église de Laodicée. Qu'est-ce que Paul nous dit ? Acte. Et ce n'est pas fini. Hein. On va dénoncer tout en vous montrant en même temps à côté la parole. Qu'est-ce que la parole dit ? Et qu'est-ce que ces hommes font ? Qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce qu'eux font? Et vous verrez, vous chrétiens, s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Voilà. Parce qu'ils sont en train de contredire l'évangile du Maître. D'abord, allons prendre Matthieu, chapitre 10, verset 1 au verset 8. Si quelqu'un l'a trouvé, il pourra nous faire la lecture là. Voilà. Matthieu, chapitre 10, verset 1 à 8. Voilà, oui mon frère, tu peux nous faire la lecture.
Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu. Le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ah, on peut s'arrêter là, cette image. Merci. Jésus dit quoi là, mon frère, cette image, verset 9? Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Non, j'ai pas entendu bien comme il faut là. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ah! La ceinture, dans la Bible, c'est la vérité. Amen. Donc le Seigneur dit ici, n'associez pas maman à la vérité. Amen. D'accord? Ne mélangez pas l'argent avec la ceinture, avec la vérité. Voyez, frères et sœurs, oh que Dieu nous aide. C'est un ordre. Yeshua dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Et donnez comment? Gratuitement. Ok. Est-ce que c'est ce que font ces gens chrétiens? Vous qui dites non, ce monsieur, il exagère. Ce n'est pas grave. Mais je veux continuer à parler quand même. Avant votre naissance, Dieu parlait. Après votre mort, Dieu continuera à parler. Donc, ce n'est pas votre colère ou votre coup de gueule qui va arrêter le Seigneur. Donc, on continuera à parler. Avant nous, il y a des gens qui parlaient. Après nous, il y aura des gens qui parleront. Et nous voulons profiter de notre présent pour parler. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? On va voir s'ils ont suivi les instructions du Seigneur, mon frère Sétimion. Actes, chapitre 20. Verset 31 au verset 35. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je n'ai désiré quoi? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Le Seigneur avait dit quoi dans Matthieu 10? Ne prenez ni argent, ni or, ni le vêtement de personne. Eh bien, Paul, en tant qu'apôtre de l'agneau, Paul a marché sur les traces de son maître, Yeshua. Eh bien, il a fait la même chose que le maître. Il a obéi à sa parole. Et que font vos chantres qui vendent leurs CD? Que font vos bishops, vos pasteurs qui vendent leur formation biblique, leurs conférences, leurs livres, leurs DVD, leurs coffrets d'enseignement, ils vous les vendent. Donc, ils font partie, mes amis, de l'église de Laodicée, de l'ange de Laodicée, et ils ne suivent pas l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la parole dit. Si vous ne voulez pas de la vérité, ce n'est pas mon problème. Moi, je crie. Je crie. Voilà. Alors, allons voir maintenant d'autres vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie, des vendeurs de bœufs dans le temple. En gros, les escrocs de l'église de Laodicée.
Il y en a qui le font par ignorance. Alors, repentez-vous. Revenez à Dieu. Voilà. Donc, on va montrer le titre ici de cette autre entreprise, mes amis, à but lucratif. Voilà. Et week-end, femme chrétienne, lève-toi et va de l'avant. 16 et 17 novembre 2013, Montluçon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Eh bien, séminaire seul. 30 euros, possibilité de manger sur place. Hein? Un ou deux repas, 13,50 euros. Hein? Donc, repas, traiteur, bien sûr. Donc, on vous dit quand même qu'il y a un traiteur. Voilà. Hein? Donc, alors que le Seigneur Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas, a préparé du poisson. Hein? Donc, et a nourri les apôtres après sa résurrection. Il y avait du poisson, hein, braisé, tout ça. Et il les a nourris gratuitement. Il a multiplié du poisson et du pain qu'il a nourri et a donné aux chrétiens gratuitement. Et que font ces vendeurs des bœufs et des pigeons dans le temple, frère? Ils vous vendent non seulement la parole, mais en plus de la nourriture. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Ils font intervenir des traiteurs. Alors, on continue, c'est... Mes amis, là, oh ah, Seigneur, aide-nous. Il y a quoi d'autre? Voilà. Alors, on monte d'abord le titre. Voilà. Formation intensive pour les leaders de louanges, choristes, musiciens et sonoristes. Alors, je n'ai pas vu dans la Bible, mes amis, dans le Nouveau Testament, les leaders de la louange. Ça n'existait pas. Ça, c'était sous la loi. Sous la loi de Moïse, seul, mes amis, seuls les Lévites avaient le droit de chanter dans le temple. Et en plus de cela, ils n'animaient pas des concerts ici et là dans tout Israël. Ils chantaient dans le temple, mes amis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Eh bien, ces prédicateurs de la prospérité ont remplacé le Saint-Esprit, notre meilleur conducteur, par des leaders de chorale. Et pour être formé, ben, combien il faut payer là, mes amis là? Regardez vous-même, chrétiens, ouvrez les yeux. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Hein? Formation du mardi 29 octobre 2013 au samedi 2 novembre 2013. 175 euros, repas, midi compris. Donc pour vous mettre de la pommade sur la peau, pour mieux, afin de mieux vous avaler, mes amis, plus facilement. Ils vous mettent de l'huile bien pour que vous glissiez bien comme il faut dans leur bouche. Ils vous disent, bon, il y aura la nourriture, voilà. Donc, voilà, 175 euros, pourquoi? Ben pour 3 ou 4 jours d'enseignement. Vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque, tout ça, là. Mais où sont les prophètes? On continue. Alors, CJ... 13, je ne sais pas, CJ, hein, 13, glow, in the dark, donc la lumière, je ne sais pas quoi, dans la lumière, dans les ténèbres, hein, donc si j'ai bien compris. Alors, on va, convention jeunesse, hein, convention, c'est la convention jeunesse. C'est la, donc, c'est une convention réservée aux jeunes. On y va, combien ça coûte? Prévente, la prévente, 112 euros. Après le 15 octobre, 117 euros. Voleur! Repentez-vous. Voleur! Vous volez même la jeunesse qui n'ont pas de travail, qui sont à l'école. Vous voulez qu'on vous appelle comment? Vous êtes des voleurs. Et top chrétien, enseignement.com. Vous qui faites la promotion de ces voleurs, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Parce que vous faites la promotion des pasteurs impudiques, des pasteurs voleurs. Une association des crabes. Hein? Il faut dire les choses clairement parce que la parole est claire. Le Seigneur a traité les gens, mes amis, des chiens, les voleurs, des chiens. Paul a dit, prenez garde aux chiens dans 1 Thessaloniciens, dans Philippiens 3, pardon, des chiens. Donc ne soyez pas choqués quand je dis que ce sont des crabes parce que ce sont des voleurs, effectivement. Ce n'est pas une insulte charnelle. Ce n'est pas une insulte. C'est une, mes amis, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité. C'est-à-dire, les crabes n'ont pas de tête, n'ont pas de queue. Ils ne réfléchissent pas. Voilà. Et c'est ce que représentent la plupart de ces prédicateurs, frères et sœurs. Ce sont des voleurs. Voilà. Et Jean-Baptiste a traité les chefs des pharisiens,
des Sadducéens, de race de vipères, c'est-à-dire de serpents. C'est biblique. C'est biblique, frère. Il faut que des voix prophétiques se lèvent. Il y en a assez de voir nos jeunes violés par ces violeurs, par ces pédophiles. Il y en a assez de voir notre jeunesse chrétienne dépouillée par ces voleurs. 117 euros pour un jeune, c'est beaucoup d'argent, frères et sœurs. Surtout en ce temps de crise. Ce sont des vipères, des loups cruels. Vous voyez bien que la Bible, mes amis, qualifie ces gens, mes amis, d'animaux. Parce qu'ils ont un caractère bestial. Un comportement bestial. Ce n'est pas normal que des gens qui se disent disciples de Jésus, c'est-à-dire ils sont à l'exemple de Christ, ils sont à l'image de Christ, soi-disant, puissent voler autant, voler tout simplement les enfants de Dieu. C'est inimaginable que des personnes qui se réclament du Seigneur, mes amis, puissent se servir de sa parole, de la parole du Maître, pour aller extorquer de l'argent, pour aller dépouiller les enfants de Dieu. Oh Dieu, sauve-nous. Sauve-nous. On continue. Sixième rencontre nationale. France en feu. France en feu, êtes-vous sûr? Hein? Ou France, la France dépouillée. Du 31 octobre, tout ça. Donc, tarif info. La conférence commence le jeudi soir à 20h pour se finir le dimanche. Alors, prix de la conférence, 35 euros pour une personne seule. 60 euros pour un couple. Oh, quelle grâce, ils ont enlevé 10 euros. À partir de 16 ans, 35 euros. Donc, ma sœur Karine qui est là, qui a 16 ans, qui est encore à l'école, parce qu'à 16 ans, les jeunes sont à l'école. Et Karine qui est à l'école, on lui dit que pour aller à cette conférence, il faut qu'elle débourse 35 euros. Où aura-t-elle ces 35 euros? Vous voulez la pousser à la prostitution? Pour qu'elle ait cet argent? Voleur, repentez-vous. Faites circuler cette vidéo. Je n'ai peur de personne. Je ne crains personne. Je n'ai peur de personne. Et vous savez, frères et sœurs, je parlerai. Ce n'est pas de la colère. Je ne suis pas en colère. Oui, la sainte colère, oui. Mais je n'ai rien contre ces voleurs. C'est contre leur système. Parce qu'il y en a assez. Des milliers de personnes ne veulent plus prier à cause de nous, à cause de vous, à cause de ces pratiques qui ont pris place dans nos églises. Quand je me suis converti en 86, il n'y avait pas tout ça. Il y a une accélération du péché, de la compromission, des marchands de miracles dans nos églises actuellement. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de temps. Yeshua vient. Il revient, frère. Et c'est grave. Donc, jeune de 16 ans, 35 euros, Benoît, on peut revenir dessus? 12 à 15 ans, le prix est de 15 euros. Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs, les enfants de 12 à 15 ans, combien? 25 euros? 15 euros. On revient encore dessus. Pour les enfants de moins de 12 ans, la conférence est gratuite. Oh, quelle grâce! Oh, quelle grâce! Voleurs! Vous êtes des voleurs! Avancez-moi toutes sortes de raisons. Oh, il faut louer la salle. Oh, il faut louer la sono. Vous êtes des voleurs! Si c'est Dieu qui vous a demandé de faire des conférences, il vous donnera les moyens pour le faire. Je suis moi-même l'exemple. Nous faisons des conférences à Paris, ici et là. Nous louons des salles et nous faisons l'entrée gratuite. Et on ne met pas l'accent sur l'argent pour marteler matin, midi, soir, pour mettre la corde autour du cou des frères, pour les dépouiller. Et quand nous avons un projet, on le présente et les frères se soutiennent librement et les fruits sont là. Mes amis, et ça c'est du vol. Repentez-vous. Repentez-vous. On continue. Voilà. Voilà quelqu'un, Patrick Fontaine, qui se dit avoir été enlevé au ciel. Il a vu Jésus qui lui a parlé de Babylone. Mais lui-même, regardez mes amis, allons voir. Il est en plein Babylone, en train de travailler avec les gens, de voler également le peuple, n'est-ce pas? Donc Patrick Fontaine, oui. Patrick Fontaine, Jean-Claude Buy, et puis qui d'autre encore? Marie-Claire Buy. Ouais, donc, c'est, vous voyez, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a de tout. Donc, c'est une association de voleurs
hein, de prédicateurs qui, mes amis, sont tombés dans l'apostasie parce que Patrick Fontaine, qui soi-disant dénonce Babylone, mes amis, mais Patrick Fontaine, repends-toi. Parce que Babylone, c'est quoi? C'est la vente des produits. C'est la vente. Babylone, c'est l'enrichissement de l'ange de Laodicée. Babylone, c'est quoi? C'est Babylone est composé des marchands de miracles. Regardez, Patrick Fontaine, repends-toi. Repends-toi. Apocalypse chapitre 18. Verset 1er. Oh Dieu, sauve-nous. Au verset 19. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. » Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme, d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et ils seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et ils disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles. Voyez, Patrick Fontaine, toi qui soi-disant as vu le ciel, toi à qui le Seigneur a révélé Babylone la Grande, pourtant tu t'associes encore avec Babylone la Grande, des prêtres catholiques, l'œcuménisme, et aujourd'hui tu commences à vendre les dons que Dieu t'a donnés gratuitement. Eh bien, Dieu t'appelle à la repentance. Comme nous tous, comme tous ces collaborateurs qui sont avec vous, à la repentance. Parce que son jugement sera terrible sur nous. Le jugement va commencer par sa maison, dit le Seigneur. Babylone, c'est justement ce que vous faites là. La vente de la connaissance. Le droit d'entrée à vos programmes de formation, à vos conférences, à vos séminaires.
On revient encore sur leur conférence là, mes amis. Regardez un peu, mes amis. Hein? La journée est au tarif de 40 euros. Vous vous rendez compte? Dans un temps de crise, Patrick Fontaine, toi qui es français de souche, la France, notre cher pays, est en crise. Et tu exiges 40 euros pour les chrétiens qui veulent venir recevoir l'enseignement que tu as reçu gratuitement de la part du Seigneur, soi-disant. Oh Dieu, sauve-nous. Mais où sont les prophètes? Où sont les prophètes qui crient? Où sont-ils? Oh Dieu, sauve-nous. 40 euros. Vous vous rendez compte? 40 euros. Même si c'était 1 euro. Les païens ont des choses à nous apprendre. Coluche, un Français qui n'était même pas chrétien, a nourri, a mis en place les Restos du Cœur. Et ces Restos du Cœur nourrissent des millions de personnes gratuitement. Et nous, les chrétiens, on fait quoi? On vend la parole de Dieu. Oh Dieu, sauve-nous. Oh Dieu, sauve-nous. On continue, mes amis. Voilà, Samuel Joseph, voilà. Donc, on continue, on va montrer. Voilà. Alors, là, c'est tarif et info. 15 euros à l'avance et 20 euros à la porte. Les billets sont aussi disponibles, n'est-ce pas, en ligne, à leur site internet. Voilà. Donc, je crois que c'est un concert, hein, mes amis, c'est ça? Un concert, voilà. Vous avez vu David dans la Bible faire un concert payant? Avez-vous vu Asaf, Corée, David, dans les Écritures, mes amis, vendre leurs chansons? Non. Oh Dieu, sauve-nous. Quelle Bible avez-vous, messieurs? Dites-moi. C'est grave. Donc, quelqu'un qui va à ce temps de prière, de louange, par les chants, sans argent, s'il arrive devant l'entrée, hein, devant la porte, on va, n'est-ce pas, le recaler en lui disant, ben, vous n'avez pas l'argent, rentrez chez vous. Oh Dieu, sauve-nous. On continue, mes amis. Jérémy Camp. Voilà. Combien ça coûte? Voilà. Alors, un concert. Hein, donc, tarif et info, transport. Prix des places. Carré or, 55 euros. Première catégorie, 51 euros 70 centimes. Deuxième catégorie, 40 euros 80 centimes. Troisième catégorie, 30 euros 90 centimes. Ils se servent même des centimes, tu sais. Vous savez, mais c'est très psychologique. C'est du marketing. On vous vend un produit. Au lieu de vous vendre ce produit, par exemple, à 500 euros, ben, ils vont se dire, les vendeurs vont se dire, vous n'allez pas l'acheter. Alors, ils vont le mettre à 499 euros, 99 centimes. Et là, vous vous dites, ah, c'est moins de 500. J'achète. C'est de la manipulation. C'est très psychologique. C'est du management, c'est du marketing. C'est de la sorcellerie. C'est du vol. Il y a des catégories ici. Il y a deux catégories. Allons voir dans Jacques. Qu'est-ce que la parole nous dit? Des voleurs. Oh Dieu, sauve-nous. Jacques chapitre 2. À partir du verset 1er. Jusqu'au verset 6, 10, 9, pardon. Jacques 2, 1 à 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre avec aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers lui, vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout. » Ou bien, « Assieds-toi au-dessus de mon marchepied. » Et ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui traînent
devant les tribunaux, qui vous traînent devant les tribunaux. N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Voilà, c'est du favoritisme tout simplement. Voyez frère, nous dénonçons et nous vous donnons des passages bibliques pour qu'il y ait l'équilibre. Ils font du favoritisme, mes frères et sœurs. Vous voyez vous-même, ouvrez les yeux. Ils ont mis plusieurs classes, plusieurs catégories, du plus riche au plus pauvre. Donc, ce sont des antichrists. C'est-à-dire, ils combattent, ces hommes, ces prédicateurs, ces chantres, ils combattent l'évangile de la croix. Ils combattent l'évangile de Christ. Ils combattent la vérité, la saine doctrine. Donc, ce sont des antichrists. Jean, dans 1 Jean 2, nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure, puisqu'il y a plusieurs antéchrists. Vous savez qu'un antéchrist vient, mais maintenant il y en a plusieurs. C'est à cause de cela que nous savons que nous sommes à la dernière heure. Et effectivement, quand on voit l'état de nos églises, frères et sœurs, eh bien, nos églises, nos bâtiments d'églises sont remplis de vendeurs, des antéchrists. Ils sont contre l'évangile. Voilà. Que Dieu nous garde. Ils vont prêcher, ils vont faire des conférences ici et là. Ils amènent leurs livres qu'ils écrivent pour vendre. Paul, quand il allait dans les églises ici, avec ses parchemins, est-ce qu'il les vendait? Vous êtes des voleurs. Ne cherchez pas à vous justifier en vous disant, non, il faut payer l'imprimeur, il faut payer le papier. Et quelqu'un a dit, un pasteur à qui son frère, son fidèle a dit, pasteur, pourquoi tu vends tes enseignements, tes coffrets d'enseignement? Il a dit, non, ce n'est pas le contenu. Le message que je vends, mais c'est le support que je vends. Mais ce monsieur a un problème avec sa tête. Je crois que pour acheter des supports, ben autant aller dans les supermarchés pour acheter des supports. Hein? Oh, que Dieu nous garde. Il dit non, c'est pas le contenu que je vends, c'est le contenant. Voilà. Donc, que Dieu nous garde. Ils sont prêts à toutes sortes de mensonges pour justifier leurs péchés. Les amis, on continue. Avec son cœur, saison 2013-2014, avec son cœur. Quel cœur? On y va. Formation danse. Oh, formation danse. Un mouvement de louange. Voilà. Je n'ai pas vu de la Bible la formation de danse hein, pour les danseurs. Tarif annuel, 315 €, hors assurance. Tarif annuel, 315 €. Hein, donc, possibilité de paiement par trimestre, 40 €. Atelier, forfait à l'année, 35 €. Hein, donc, on y va. Donc, on passe. Hein, atelier de dessin ou je ne sais pas quoi là. C'est la totale. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre à danser comme Shiva, hein, cette déesse, hein, mes amis, cette divinité hindoue, eh ben, allez là-bas, payez, eh ben, vous serez possédé comme pas possible. Voilà. On continue. On y va. Donc là, c'est quoi? Tarif. Donc, école française de danse... liturgique, liturgique. Mais danse liturgique, ça c'est complètement nouveau ça aussi. Hein? Donc, senior, tarif senior, plus de 14 ans. Hein? Donc si tu as 15 ans, 16 ans, frais d'inscription, 35 € par personne. Formation annuelle, cours, plus stage, séminaire, 550 € par personne. Voleur, deuxième année, frais d'inscription, 35 € par personne, formation annuelle, cours plus séminaire, stage, tout ça, un stage, 580 par personne, d'accord? Cours section mime, donc pour mimer les démons, hein? Donc Jésus nous a demandé de parler, eux, ils miment pour évangéliser, c'est le monde à l'envers, frais d'inscription, donc attention, les cours sont dispensés 2 semaines
deux samedis par mois, bien sûr, incluant 1h30 d'afro-jazz, 2 heures de danse liturgique, hein, et 1 heure d'enseignement biblique. Oh là là, 2 heures de danse, 1 heure d'enseignement. Bravo. Du jazz, voilà. Du jazz, jazz, voilà. Donc, tous les samedis, un soir, cours, section mime, donc pour mimer, pour apprendre à mimer. Et là, ben, vous avez l'inscription à 35 € par personne, formation annuelle, hein, cours plus stage, séminaire, 380 € par personne, n'est-ce pas? Les cours sont dispensés deux samedis par mois, incluant 2h15 de mime, 45 minutes d'enseignement biblique. Oh là là, Seigneur, aide-nous. Et 1h30 de danse classique. Oh là là. C'est pas fini. Oh, j'en peux plus. Cours junior, 7 à 13 ans. Frais d'inscription, 25 € par personne. Donc les enfants de 7 ans. Hein, mon fils, mes fils qui ont moins de 13 ans, hein, j'en ai deux, qui ont moins de 13 ans. Donc il faut 50 € pour les deux. Formation annuelle, 180 par personne. Quel voleur, Seigneur. Ah, arrêtez, j'en peux plus là. Écoute. On continue, Benoît, s'il te plaît. On va finir ça. Baby dance, 3 à 6 ans. Baby dance, 3 à 6 ans. Frais d'inscription, 10 € par enfant. Formation annuelle, 90 € enfant. Les cours sont dispensés 2 samedis par mois, incluant 1 heure de danse liturgique. Même les enfants. Seigneur, cette génération est vouée à l'enfer. Ce n'est pas possible. Cette génération t'a rejeté. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Cette génération ne veut plus de toi, mon Dieu. Père, pardonne-nous. Même les enfants, on vole, même les enfants. Oh, chrétiens, dans quel monde sommes-nous, chrétiens? Ouvrez les yeux. On continue. DJ Padre Robert. Hein, donc, c'est un prêtre catholique et qui a mis en place une... Christothèque, hein? Une Christothèque, donc une boîte de nuit et Christothèque, samedi 19 octobre 2013. Voyez, et comme mes amis, il n'y a pas le droit d'entrer là, c'est pour les jeunes. Donc, c'est un prêtre catholique, bien en soutane. Hein? Donc, la Christothèque, voilà, frères et sœurs. Oh Seigneur, sauve-nous. On y va. Mes amis, on va nous mettre aussi les écoles bibliques, là, nos gens, là, 80 à 9 000 euros. Je ne sais pas où les écoles bibliques américaines, là, auxquelles le chrétien voit, hein, le montant que l'on demande, les frais d'inscription et les frais scolaires exigés par ces prédicateurs aux chrétiens. Il y a des écoles qui exigent 9 000 euros, 8 000 euros, 7 000 euros. Mes amis, on n'en peut plus. Et l'ordination des pasteurs, là, avec les soutanes, là, mes amis, montrez-nous ça, s'il vous plaît. Oh, c'est horrible. Et tous ces voleurs, tous ces vendeurs de pigeons, de bœufs, mes amis, sont promotionnés par des sites comme enseignement.com, Top Chrétien, et plein d'autres sites. Oh, Seigneur, sauve-nous. Pudique, n'est-ce pas, d'un pudique. Voilà, des voleurs. Et si vous ne voulez pas de la vérité, frères et sœurs, eh bien, ce n'est pas notre problème. Nous remplissons notre rôle, fonction, celle justement de crier, tout simplement. De vous montrer ce qui se passe dans le monde évangélique. Les témoins de Jéhovah que nous dénonçons, mes amis, donnent leurs ouvrages gratuitement. Oh Dieu, les mormons qui sont dans le faux également, donnent leurs ouvrages gratuitement. Les musulmans également, frères et sœurs, donnent leur Coran gratuitement. Eux qui n'ont pas la vérité. Mais ces églises soi-disant évangéliques, ces prédicateurs qui ont soi-disant la vérité, qui aiment Jésus-Christ de Nazareth soi-disant, qui aiment Jésus-Christ de Nazareth, regardez ce qu'ils font. Et comparez vous-même. Voilà. On va, mes amis, les pasteurs ordonnés là. Hein? Donc on va montrer ça. Voilà un pasteur évangélique qui a reçu sa sainte ordination. Hein? Donc on va montrer d'autres images.
voilà, avec sa belle soutane, dorée, attention. Voilà, et là, il est en train de montrer donc, son certificat d'ordination. Il est tout content, ce pasteur. Hein? Donc, il est ordonné. Voilà, un autre pasteur évangélique qui ressemble à un prêtre catholique, bien sûr, que tous. Hein? Ils ont rejoint l'église mère. Voilà, un autre certificat d'ordination et de baptême aussi. On continue, voilà, un autre pasteur évangélique en soutane. On croirait un prélat catholique au Vatican. Hein, la basilique Saint-Pierre à Rome. Voilà. Mes amis, vous voyez vous-même ce qui se passe. Paul avec quelle soutane? Pierre avec quelle soutane? Jésus-Christ n'avait rien pour attirer le regard des gens. Il était simple. Il était tellement simple que la veille de son arrestation, la nuit où il fut arrêté, Judas a dû lui faire la bise pour que les soldats romains et les huissiers envoyés par les sadducéens, les scribes, les pharisiens le reconnaissent. Pour vous montrer, Jésus n'avait aucun signe extérieur qui pouvait permettre aux gens de le différencier des autres apôtres, de ses disciples, tellement qu'il ressemblait à Monsieur tout le monde. Oh, que Dieu nous aide. Mais ces bishops qui ont commencé dans la vérité, parmi eux, certains ont commencé dans la vérité en dénonçant le catholicisme romain. Le port de soutane, aujourd'hui, mes amis, ils font allégeance au catholicisme romain. Et Dieu, sauve-nous. Père, sauve-nous. Est-ce qu'il y a encore d'autres images, frères et sœurs, à proposer? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Timothée chapitre 2. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Éloignez-vous de ces hommes. Chrétiens, séparez-vous. Il est question de votre éternité. Ils ont l'apparence de la piété. Ils portent des signes religieux, des signes extérieurs religieux, hein, des signes religieux qu'ils brandissent, soutanent, crucifient, tout ça. Et au-dedans d'eux, ce sont des tombeaux blanchis. Comme le Seigneur le disait par rapport aux pharisiens dans Matthieu 23. Vous paraissez beau à l'extérieur. Vous portez de longues robes, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. Voyez, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors ce pasteur qui envoie sa photo nue sur Facebook, hein, pour draguer les jeunes filles. Dieu nous aide, frères et sœurs. Vous voyez comment nos églises sont malades? Jésus est à la porte. Préparez-vous pour son retour. Repentons-nous. Préparons-nous, mes amis. Sanctifions-nous. Voilà un pasteur avec soutane et le collet clérical. Hein? Donc, le pasteur Antonio, mes amis, hein, un Africain qui est ici en Europe. Hein, je crois que c'est à Londres qu'il est, ce monsieur. Et voilà comment il est. Et avec son collet clérical, mes amis, hein, ce signe extérieur de la religion, comme 2 Timothée 3, 5 le dit, ils ont l'apparence de la piété. Donc là, l'image de droite, hein, il paraît un saint, hein, un bon religieux, un homme de Dieu, soi-disant, un bon pasteur. Donc une apparence pieuse, n'est-ce pas? Une apparence de piété. Regardez l'image de gauche, voilà. Il montre son corps, mes amis, à une jeune fille, alors que ce monsieur est marié, père des enfants. Et il envoie cette vidéo à une jeune fille de son église qu'il draguait. Voilà, que Dieu nous aide. On peut l'enlever. Merci Seigneur. Voilà. Alors vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Et les frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe. Alors qu'avez-vous un peu à dire? Et vous êtes libres, donc il nous reste encore quelques minutes. Voilà, la parole est à vous. Voilà, donc je comprends votre silence. On est choqués, on est ébahis, nous sommes subjugués, dépassés, surpris. Il n'y a pas de mots pour qualifier, mes amis, l'état de nos églises.
C'est pourquoi tout messager qui vient pour dénoncer ces pratiques et qui recommande les églises aux chrétiens va commettre une grande erreur. Ne recommandons plus les églises aux gens. Recommandons les gens à Dieu. Recommandons Dieu aux gens. C'est ça l'évangile. Nous présentons Dieu aux hommes. Nous présentons Christ aux hommes. Paul dit, je ne veux rien savoir parmi vous dans 1 Corinthiens 2 que Christ et Christ crucifié. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Nous ne sommes pas là pour vous dire, quittez vos églises, venez prier ici parce que moi-même qui vous parle, frères et sœurs, je n'ai pas une église locale, mais j'ai une communion avec Dieu et avec les frères et sœurs qui craignent Dieu ici et là. Voilà. Parce que mon église, c'est l'assemblée des saints inscrite dans, n'est-ce pas, cette assemblée, dans les cieux. En Christ. Frères et sœurs, diffusez cette vidéo partout. Partout. Que vos frères, que vos sœurs, que vos parents, que vos fils, que vos filles, que vos amis qui sont sous le joug de ces voleurs, de ces marchands de miracles, soient libérés de leur joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Dieu, sauve-nous. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, professeur Chura. J'appelle de Nantes. En fait, je voulais réagir par rapport à l'émission. Je voulais en fait vous encourager de parler de ces choses parce que c'est vrai que dans le monde, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. En fait, c'est terrible. On voit de plus en plus des pasteurs, même au Brésil, qui vendent en fait l'onction. En fait, il y a un pasteur, par exemple, j'ai vu une vidéo, un pasteur au Brésil qui vend des coussins et des peignoirs, des robes de chambre. Il dit qu'il y a de l'onction et qu'il appelle aux chrétiens d'acheter. Pour, comme ça, ils vont être guéris ou vont bien dormir et tout ça. Donc, voilà, ils vendent des coussins, ils vendent des thés d'oreiller, des coussins, ils vendent des matelas aussi, je pense. En fait, ils vendent des marteaux, ils disent que c'est l'onction pour briser, soi-disant, les jougs, quelque chose comme ça. Et c'est au Brésil que ça se passe. Donc, je me disais, par rapport au sujet de ce soir, c'est un peu ça, en fait, c'est pareil. Merci, Massa. Tu nous appelles depuis Nantes, hein? Depuis Nantes, oui. Que Dieu soit béni, en tout cas. Diffuse la vérité là-bas. Merci, Seigneur. Oui, que Dieu te garde. En tout cas, merci pour ce coup de fil. Allez, bien. Vous soyez béni. Merci. Voilà, mes amis, vous pouvez continuer à nous appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Voilà. Tarif court du jour 2013-2014. Ça, c'est une école biblique. Une école biblique. Regardez, frères et sœurs. Regardez vous-même. Frais d'inscription à verser au moment du dépôt de la candidature et au début de chaque année. 25 euros à régler, n'est-ce pas? Voilà. Le 1er septembre, après cette date, c'est 50 euros. Frais de scolarité pour les études à plein temps. Tarif normal, annuel, c'est l'année. 5 095 euros. Tarif minimum, 2 825 euros. Coût mensuel d'octobre 2013 à juin 2014, 666 euros. 566 euros. Frères et sœurs, comment voulez-vous que la parole, l'ordre qu'on a reçu de la part du Seigneur dans Matthieu 28, 19 à 20, selon lequel nous devons aller dans les nations et faire de toutes ces nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant tout ce que le Maître nous a prescrit. Qu'est-ce qu'il nous a prescrit? Eh bien, il nous a dit dans Matthieu 10, 1 à 10, de proclamer l'évangile, de guérir les malades, de purifier les lépreux. Nous avons reçu gratuitement et de donner gratuitement, de ne prendre ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement. Eh bien, comment voulez-vous que cette parole, mes amis, soit appliquée si vous exigez plus de 5000 euros l'année aux gens qui veulent se former? C'est du vol! Voilà, je veux crier encore, c'est du vol. Honnêtement, frères et sœurs, on ne peut pas se taire.
vous ne pouvez pas vous réclamer de Jésus-Christ et vous taire, n'est-ce pas, face à toutes ces atrocités, à cette grande arnaque dont les chrétiens sincères sont les victimes. On ne peut pas se taire. Ce n'est pas possible. Non. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de mon Dieu, pour l'amour de mes frères et sœurs, en Christ, je ne me tairai pas. Jamais, jamais, jamais. Je vous parle ce soir, je suis un peu fatigué parce que je rentre d'une mission où j'ai beaucoup travaillé à Londres. Et également ce week-end qui vient de passer, de s'écouler en Belgique, à Paris et à Londres. Mais pour l'amour du Seigneur, pour l'amour des frères et sœurs, je ne pouvais pas ne pas venir ce soir pour dénoncer ces pratiques. Parce que honnêtement, il y en a assez. Oui, la Bible dit que cela doit arriver. Le blé et l'ivraie doivent croître ensemble. L'apostasie doit arriver auparavant. La parole le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Paul dit avant l'avènement du Seigneur, avant notre réunion avec lui, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme impie s'établir dans le temple. C'est vrai, on le voit au jour d'aujourd'hui. Le temple de Dieu est souillé. L'homme impie s'est autoproclamé Dieu. Les antéchrists sont devenus des dieux devant lesquels il faut s'agenouiller, il faut adorer. Des chantres chrétiens sont adorés. Voilà. Et à cause de ce message, on est traité de tout le nom d'antéchrist, de voleur. Il y a même des pasteurs qui font des vidéos qui vont dire qu'ils ont voulu avoir un débat avec moi et je les ai fui. Arrêtez, arrêtez vos mensonges. Arrêtez vos mensonges. On a plus de temps à la distraction. Là. Nous voulons rester sur Jésus-Christ parce qu'il revient nous chercher. Allô, bonsoir. Ça parle à Chura. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonjour, c'est Yézod de Lille. Yézod, bonsoir mon frère. Bonsoir. Non, j'avais un message parce que vraiment, c'est l'hypocrisie vraiment dans les églises, ça commence vraiment à fatiguer. Là, en ce moment même, j'ai vraiment un ras-le-bol. Parce que partout dans les églises, partout dans les assemblées, même pas forcément dans les assemblées, même des chrétiens qui sont seuls chez eux et tout ça, partout, il y a la religion. Tout le monde veut l'argent partout, tout le temps l'argent. Et en ce moment, c'est vraiment mon problème, vraiment, les chrétiens aiment trop l'argent. Ils aiment trop l'argent, ils aiment trop le monde. Et voilà, je voulais vraiment te donner un message d'encouragement parce que depuis ces années déjà, je t'entends vraiment dénoncer ça. Et je sais pas comment tu fais pour avoir tout le temps cette persévérance. Je dis vraiment gloire à Dieu pour des ministères comme le tien qui nous donne de pouvoir persévérer parce que vraiment, des fois, il y a ras-le-bol de cette hypocrisie. Tu as tout à fait raison, Yézod. Je peux comprendre ce coup de... ce cri qui vient de ton cœur. Je t'assure, comme tu le sais, comme beaucoup de frères et sœurs le savent certainement, nous crions ainsi, c'est parce qu'il y a aussi un ras-le-bol. Il y a aussi, on en a assez, que des chrétiens, des païens se moquent de notre Dieu. Que de païens nous disent « Votre Dieu aime trop l'argent. Votre Dieu nous empêche de nous convertir parce que nous sommes pauvres. » Alors que Jésus-Christ disait « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. » Et le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, et c'était plus les pauvres qui l'ont suivi hors la ville. Et les riches étaient où ? Étaient dans la ville de Jérusalem qui était, mes amis, entourée d'une forte et haute muraille, n'est-ce pas ? Et c'était les lépreux qui étaient exclus de la ville, les aveugles, les boiteux qui le suivaient partout. Et au lieu de proclamer la vérité, et effectivement, beaucoup de chrétiens, comme tu l'as si bien constaté, aussi bien ceux qui fréquentent les assemblées et ceux qui sont chez eux, ben, c'est l'argent. Ils ne demandent même pas l'argent pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves, pour faire avancer le royaume, et pour produire des ouvrages. De la musique chrétienne afin de diffuser ses CD gratuitement. Mais c'est pour s'enrichir. Oh Dieu, sauve-nous. Je comprends tout à fait, Yézod. Et merci pour ton soutien, pour ta prière aussi, et pour tes prières. Amen. Que Dieu te garde ainsi que ta future épouse. On est déjà mariés. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Amen. On peut accueillir le Seigneur pour eux. merci. En tout cas, que toute l'équipe soit bénie. Et vraiment, je remercie Dieu pour votre travail. Continuez, persévérez vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Ben, que Dieu soit béni. Bonne continuation alors à Lille là-bas. Au revoir. Merci Seigneur. Oui, tu peux. On est là pour ça, frère. Merci. Tu peux y aller. C'est bon.
Oui, donc bonsoir. Je voudrais réagir. C'est vrai que nous venons des Antilles et c'est vrai qu'on ne peut pas rester silencieux. Et c'est vrai que nous bénissons toute l'équipe de TV de Vie qui crie à cette détresse parce que nous voyons que cette paganisation existe aussi aux Antilles. On voit qu'également, on utilise la détresse des chrétiens, la détresse du monde pour pouvoir soutirer le nerf de la guerre qui est l'argent. On utilise également ces affiches. Quand on voit dans ces affiches, même aux Antilles, il n'y a jamais le nom de notre bien-aimé sauveur qui est Jésus. Il y a toujours le nom de pasteur, mais il n'y a jamais le nom de notre pasteur, le pasteur des pasteurs. Et on utilise tout le temps l'effigie des hommes pour attirer. Donc c'est toujours le soi, le moi qu'on met en avant. Et on voit que cette utilisation de l'argent se fait également aux Antilles par des concerts, par des entrées payantes, par des séminaires payants, par des toutes sortes de choses. Moi, j'en témoigne. C'est vrai que nous sortons, la plupart d'entre nous, d'assemblées, mais on voit que ça existe. Et c'est vrai que cette paganisation se fait dans toutes les nations maintenant. Et c'est vrai que Dieu merci, nous avons, comme l'apôtre, des trompettes qui sonnent. Et donc, je peux qu'encourager et remettre l'apôtre et ses serviteurs autour de lui, entre les mains du Seigneur, avec leur famille. Gloire à Dieu. Nous avons quelqu'un en ligne là-bas, je crois. Donc, c'est vrai que les Antilles, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont dépouillés, blessés. Et c'est horrible. Il n'y a pas un seul pays qui est épargné. Donc, c'est comme un filet que Satan a jeté sur les nations pour détruire les enfants de Dieu. Hein, mais les vrais enfants du Seigneur, mes amis, ne fléchiront jamais les genoux devant Baal. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais anciens, les vrais diacres, les vrais évangélistes qui aiment le Seigneur, qui ne sont pas là pour les titres. Mes amis, ceux qui avaient peur, ils vont de plus en plus se lever et dénoncer ces pratiques au nom de Yeshua. Mais l'équipe va nous préparer tout à l'heure les affiches de conférence avec les photos de ce bishop. Et puis la conférence de Carlos Payan, ils ont fait un tarif spécial pour ceux qui sont au RSA, hein, au revenu solidarité, et puis d'autres affiches. Voilà. Donc ils ont fait un tarif à 15 euros, je crois, pour ceux qui sont au chômage. Voilà. Donc c'est quand même c'est terrible. Alors, allô, oui. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, c'est la sœur Natacha Dumont. Bonsoir, ma sœur Natacha. Oui, je voulais juste, accentuer la chose. Donc, ce soir, moi et ma sœur, on a été, invités à aller à un concert de Atoms et Nadège. Je sais pas si vous voyez à peu près. Atoms et Nadège, des Congolais. Oui. C'est un couple aussi qui commence à monter en Afrique, là-bas au Congo. Un couple de voleurs, n'est-ce pas? Donc, qui était avec Alain Moloto qui est décédé. Donc, le groupe Gaël. Mes amis, ce sont des voleurs, des marchands de miracles, des marchands de chants. Donc, ce couple-là, il faut aussi le dénoncer bien comme il faut. Et si on peut retrouver leur affiche, là, ce serait une bonne chose. Parce qu'il faut une formation à 30 euros, je crois, si je me trompe. Oui, donc, nous, on avait vu l'affiche, en fait, en passant. Et donc, on avait vu le nom de l'assemblée où ils allaient adorer tout ça. Mais ce qui nous avait choqué, c'était qu'il n'y avait même pas le nom de Jésus-Christ dedans même. Donc, on était un petit peu choqués par rapport à ça. Donc, ensuite, on a décidé d'y aller. Quand on y est arrivé, en fait, on est arrivé déjà, ça commençait de 18h à 20h. Ça a commencé largement en retard à 19h08. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ensuite, là, il y a une sœur qui est montée sur la scène pour demander à ce qu'on prie. Voilà, on montre l'image de ce couple qui commence à monter en RDC là-bas. Et ils ont bien commencé, mais aujourd'hui, ils sont devenus des marchands de vendeurs de miracles, tout ça. Et malheureusement, donc voilà. Donc, tu disais la sœur, ma sœur? Oui, donc ensuite, ils ont demandé à ce qu'on prie. Donc, on a prié. Et ensuite, ils ont demandé à ce qu'on acclame l'Éternel. Et les acclamations, c'était... j'étais choquée. Moi et ma sœur, on était choquées. Et juste après qu'on ait fini d'acclamer,
Nadège et Atom sont rentrés et toutes les mamans, les frères, même les enfants, ils criaient et nous, on était choqués par rapport à ça. Et ensuite, pour montrer que les hommes, franchement, sont idolâtres, que Dieu nous aide. Et puis ensuite, ils étaient en train d'adorer tout ça. Et puis à la fin, ils ont dit comme quoi les albums qu'ils donnaient, en fait, étaient à 8 euros. Il y avait des albums à 8 euros. Et j'avais entendu par rapport aux des enseignements aussi qui étaient à 10 euros, je pense. Donc ils vendaient ça, en fait. Et par rapport à ça, nous aussi, on était vraiment choqués, on va dire. Et aussi, il y avait... comment dire, c'était en fait le titre, c'était Adoration de Gaël, si je me souviens bien. C'était Adoration de Gaël. Et franchement, ça m'a choqué parce qu'il n'y avait pas le nom de Jésus et tout ça. Donc, moi, je voulais juste en fait accentuer en fait par rapport à ça, tout ça. Et puis, il y avait même des photos en fait. Il y avait sur la photo, c'était le Atom et sa femme. Et à ce que je sache, c'est pas l'homme qu'il faut adorer, c'est Dieu en fait. C'est Christ qu'il fallait élever. Il n'y avait même pas le nom de Christ sur. La feuille pour dire quoi que ce soit. Mais de toute façon, on le voit sur l'affiche l'image qui est affichée sur l'écran. On voit bien, hein, donc Atoms et Nadège en concert, comme la plupart des gens l'église de l'Odyssée, comme tous les gens de l'Odyssée, Jésus, il n'y a pas Jésus là-dessus. Alors que c'est Dieu qui doit être élevé, glorifié, magnifié. Il n'y a pas Jésus dessus. Et c'est 20 dollars. Ça, c'est un concert qu'ils ont donné à Kinshasa. Là-bas, 22 $ l'entrée, sachant que, mes amis, le salaire minimum pour les Congolais de la RDC, c'est moins de, mes amis, 30 euros. Oui. Vous rendez compte? Il y avait aussi, à la fin, quand tout avait été fini, ils prenaient, en fait, ils s'asseyaient, en fait, à une table, et les gens venaient prendre des photos. Donc là, c'était, waouh, on était juste choqués, les gens venaient prendre des photos, et il y avait même des chaises devant, en fait, pour certaines personnes. Puis voilà quoi, les pasteurs, leurs femmes, tout ça, tout le monde était assis ensemble. Enfin, voilà, c'était juste pour dire ça. Et puis. Continuez en tout cas à crier, à parler de l'amour du Seigneur sans manquer du respect à tous ces gens. Amen, ouais, amen. Donc tout en proclamant la vérité dans l'amour, dans la douceur, et que Dieu soit béni. Bonne continuation, voilà. Que les yeux des frères et sœurs s'ouvrent. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Donc. Vas-y, tu peux. Je voulais juste rendre grâce à Dieu de nous avoir donné cette grâce de pouvoir sortir de cet endroit-là. Parce que nous aussi, ma sœur et mes grandes sœurs, ils ont donné beaucoup d'argent. Le moins qu'ils avaient, qu'ils travaillaient, que ma sœur travaillait, elle faisait du babysitting, mais elle a donné cet argent parce qu'elle croyait que c'était pour Dieu, elle faisait ça pour Dieu, elle allait être bénie. Mais je rends vraiment grâce à Dieu de nous avoir sortis de là à temps, parce que c'est vraiment une grâce imméritée. Parce qu'il y a plein d'autres chrétiens, il y a plein d'autres, mais qui nous aient choisis, nous, c'est vraiment une grâce. Et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Amen. Amen. Vas-y, tu peux. Et moi aussi, je voulais dire que dans la chorale où j'étais, donc, les dirigeants de la chorale avaient instauré un système. Donc, à chaque fois que tu étais en retard, il fallait payer 5 euros. Et donc, moi, je me disais, donc, il fallait payer 5 euros quand tu avais une raison qui n'était pas valable, une excuse qui n'était pas valable. Et moi, je me disais, je dois payer pour servir Dieu. Et donc, il y avait beaucoup de gens, ils venaient, ils payaient 5 euros parce qu'ils étaient en retard à la répétition. Et il fallait répéter 4 heures. Et avant de chanter les dimanches, il fallait faire 6 mois de répétition. Sinon, les gens qui venaient, ils partaient. Donc, il fallait d'abord faire 6 mois de formation et des leaders dans tous les domaines. Sinon, tu ne pouvais pas chanter. Et donc, quand tu étais en retard, il fallait payer 5 euros. Wow. 6 mois de formation, oui. Je dirais plutôt de formatage, oui. Où on vous met dans un moule. Hein? Et avant de pouvoir prétendre chanter devant l'assemblée, Seigneur, aide-nous. Alors que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, selon l'Esprit, que faire, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une parole, que tout se fasse pour l'édification commune. C'est le monde à l'envers. Voilà. Il n'y a pas de mots. En fait,
beaucoup se posent la question, frère, pourquoi n'avons-nous pas vu ces choses avant? Ou comment ça se fait que beaucoup de chrétiens qui pourtant aiment le Seigneur ne veulent-ils pas de cette vérité? Je ne suis pas, on n'est pas les seuls à la prêcher. Il y a de plus en plus de frères et sœurs dans le monde entier qui la prêchent. En fait, il y a un passage dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4, où Paul dit ceci. Donc, nos frères, certainement, pourra nous le lire. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Paul nous apprend ici que si beaucoup de personnes ne veulent pas de l'évangile pur, aussi bien les païens que ceux qui se disent chrétiens, les religieux, ceux de l'église de Laodicée, c'est parce que leur esprit humain, leur intelligence, littéralement leur homme intérieur, qui est censé être en connexion avec l'Esprit de Dieu, leur homme intérieur est voilé. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas saisir, comprendre le vrai évangile qui est basé sur qui? Sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc oui. Et puis regardez, au verset 5, Paul dit quoi? Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus-Christ, littéralement vos esclaves. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres servent les chrétiens. Ils peuvent faire à manger pour eux. Et c'est le contraire que l'on voit dans nos églises. Ils ne prêchaient pas eux-mêmes les apôtres. Regardez ces affiches où vous voyez les bishops, mes amis, avant que tu ne parles. Ces affiches là, mes amis, de conférences, de croisades. Regardez ces affiches, mes amis. Hein, qui prêchent-ils ces gens? Jésus ou eux-mêmes? Je ne sais pas s'il y a affiche de publicité, hein, hein, ou l'article de Libération. Hein, je ne sais pas, ce monsieur, il y a eu un journaliste du journal Libération, un journal parisien, français, qui a fait une enquête, qui a mené une enquête, et il s'est aperçu, un sociologue, donc, et qui a mené une enquête sur les églises évangéliques et éventuellement les affiches de croisades, de campagnes, de séminaires, de conférences qui sont faites. Et c'est horrible, frères et sœurs. Ce monsieur qui est païen pourtant est complètement outré, complètement choqué, n'est-ce pas, de la glorification de du culte de la personnalité, n'est-ce pas, dont sont les principaux, le culte de la personnalité qui est autour de ces ministères. Cet homme qui est païen est choqué de cette paganisation de nos églises. Voilà, donc je crois qu'il y a deux ou trois images. Voilà, on y va. Je suis tellement fatigué que je n'arrive plus à parler. Voilà, donc c'est cet article justement. Voilà, donc on peut montrer le titre un peu là. Voilà, donc c'est le journal Libération. Donc voilà, on en montre, on ne voit pas tout. Et comment affiche évangélique au pays des prophètes, évêques et mamans. C'est un Français qui a fait, mes amis, cette enquête, hein, qui est à la base de cette étude. Hein, et donc, il a été dans ces églises, ces églisettes, ces boutiques privées, ces entreprises familiales. Et il s'est rendu compte que la plupart des femmes des pasteurs africaines, on les appelle maman, maman, maman pasteur. Donc, ce monsieur qui est français est choqué. Comment voulez-vous qu'il se convertisse? Allez, regardez ce qu'il a mis là, mes amis là. Affiche évangélique au pays des prophètes, évêques et mamans. Voilà, voilà un pasteur évangélique qui a mis sa photo là. Il n'y a pas Jésus, mes amis, et c'est lui que l'on voit. Où est Jésus dans tout ça? Qui guérit, lui ou Jésus? Donc, c'est le sociologue Jean-Baptiste Coulmont, hein, qui a fait cette étude-là. Et donc, il est allé prendre des photos, hein, de ces affiches. Et c'est une honte pour nous, chrétiens. Et regardez ce qu'il dit. Paradoxalement, à travers ces affiches, les églises pentecôtistes semblent de plus en plus visibles dans l'espace public, hein, donc, que les lieux de culte musulmans. Hein, donc, voilà. Donc, on continue.
Ah, il n'y a, a plus rien là-bas, là. Voilà, une autre affiche, voilà, cieux prêtés aux oreilles. Donc voilà, un autre gourou, un autre voleur, un autre marchand de miracles. On ne voit pas Jésus, c'est lui que l'on voit. Donc tous les pasteurs qui font leurs affiches comme ça, mes amis, il y en a qui le font par ignorance. Alors il faut qu'ils se repentent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On est passé par là. Mais la plupart, mes amis, sont des prédicateurs de l'église de Laodicée. Voilà, c'est eux qui veulent, mes amis, ils font la promotion de leur propre ministère. Regardez, on continue, mes amis. Voilà d'autres bishops, hein, Winners Life, Centre Chrétien, voilà. Donc, pareil, Jésus, on ne le voit pas, bien sûr. Donc, ce sont les hommes que l'on voit, les grands bishops. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'est la confusion totale. Hein, une autre affiche, mes amis. Une autre affiche. S'il y a. Oh, que Dieu nous aide. Alors que Paul disait, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Hein? Voilà, donc une autre affiche. Là, ce sont les mamans. Les mamans prophétesses et les mamans pasteurs. Elles peuvent être parfois plus dangereuses que les hommes escrocs. Hein? Parce qu'elles, là, parfois, là, mes amis, là, elles... Mes amis, elles se vengent hein, de toutes les souffrances qu'elles ont vécues avec leur mari, leur petit copain. Et voilà. Donc, que Dieu nous aide. Voilà, donc tu voulais dire ? Oui, justement, je voulais vraiment accentuer ce que vous avez dit. C'est vrai. Pardon, deux secondes. Voilà, une autre affiche, cette fois-ci, dames, messieurs, européens. Voilà, donc je vous dis, il y a des noirs, des blancs, des arabes, il y a de tout. Hein, donc, voilà. Où est Jésus dans tout ça ? Où est Jésus dans tout ça ? Voilà. Où est Jésus? Vous-même voyez chrétien, voyez vous-même. Hein? Il y en a d'autres là, mes amis, là? Voilà, donc tu disais. Oui, on n'a plus besoin de preuves. Ça se voit maintenant. Donc, on doit dévoiler, on doit être dévoilé et on doit accepter et parler. Justement, on a plus peur ou honte ou de la persécution. Mais je pense que vraiment, il est vraiment temps parce que c'est pour notre propre bien. C'est comme si on contribuait pour notre propre perdition. C'est quand même pas possible. Enfin, moi aussi, ça me dérange un peu c'est ça. Voir tout ça. Enfin, de voir Christotech, un truc comme ça qui incite les jeunes dans des boîtes comme ça juste pour glorifier Dieu, c'est quand même pas possible. Voilà. Enfin, vraiment, j'incite aux jeunes d'agir, de parler. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Parce Amen. Que ça tape au nerf toute cette histoire. Amen. Ouais, même ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pour cela les païens ils nous persécutent et ils disent ils ne croient pas en notre Dieu parce que voilà, quand ils voient des choses qui se passent dans nos églises parmi nous, il n'y a pas d'exemple. Et pourtant, on devait montrer l'exemple. Même chez les musulmans et tous, ils sont mieux que nous, franchement. Parce qu'ils donnent leur Coran gratuitement. Voilà. Et leurs imams ne sont pas là en train de poursuivre les gens avec la dîme. Et ceux qui ne payent pas la dîme, et c'est le monde à l'envers, effectivement. Voilà. Pourtant, ils n'ont pas la vérité, mais nous qui avons soi-disant la vérité, voilà, vous pouvez y aller, c'est votre temps, c'est votre soirée. Je voulais aussi témoigner dans notre église, le dirigeant de la chorale, je témoigne, moi-même j'ai vu ça, il est même parti en boîte pour soutenir un frère qui était tombé, il commence à chanter maintenant dans le monde, et lui, il est parti en boîte pour le soutenir, et comme excuse, il allait évangéliser. Mais les autres frères de l'église, qui vont habituellement en boîte, ils ont vu le frère et eux-mêmes, ils étaient étonnés. Lui aussi, il est là. Franchement, j'étais choquée quand j'ai entendu cette histoire. Un dirigeant de la chorale. Franchement, je suis choquée. Voilà, c'est triste. C'est très triste. Voilà. Mais il est temps qu'on voit, qu'on agisse. Alors, regardez un passage. Il y a quelqu'un en ligne, je crois. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux bonsoir, t'éloigner de ton ordinateur, s'il te plaît? D'accord. Oui. Bonsoir, c'est la sœur Viviana de Nice. Bonsoir, oui. S'il te plaît, ma sœur, est-ce que tu peux t'éloigner de ton ordinateur parce que y a un écho là, il y a un écho derrière. Oui, c'est oui. Bon. Qu'est-ce que tu voulais dire ce soir? Oui, je voulais tout simplement vous encourager et encourager tous les frères et sœurs qui sont sur le plateau
à tenir ferme et à toujours prêcher la vérité. De toute façon, c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il y aura l'apostasie et que beaucoup abandonneront la foi. Voilà, il faut vraiment tenir ferme. Et puis dans les assemblées, on ne veut plus prêcher la vérité. Merci en tout cas, merci pour ce soutien. Merci, que Dieu soit béni. Soyez fortifiés en tout cas. Merci. Alors on va lire un dernier passage et puis on va arrêter, clôturer l'émission. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 18. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Notre bouche s'est ouverte pour vous, effectivement. Nous ouvrons nos bouches pour parler. Voilà. Parce que les chrétiens de Corinthe, c'était complètement, mes amis, paganisés. Et Paul n'a pas voulu se taire. Donc, ne vous taisez pas. Ouvrez vos bouches. Parlez devant Dieu dans la prière d'abord pour l'état de nos églises. Et ensuite, allez voir vos frères et sœurs. Ouvrez vos bouches et parlez. Voilà. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, la parole est claire, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Ne vous inquiétez pas, frère, si vous voulez voir la gloire du Seigneur, il faut la repentance, c'est-à-dire la séparation d'avec le mal, d'avec des personnes qui se disent frères et sœurs, et qui sont cupides, voleurs, ivrognes, comme 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, 9, Paul le dit, séparez-vous d'avec toute personne qui se réclame de Christ et qui pratique le péché, n'est-ce pas? Donc il faut se séparer. N'ayez pas peur d'être persécuté. La persécution fait partie de notre lot, de notre vie chrétienne. C'est une grâce d'être persécuté. C'est une grâce que d'être outragé à cause de la vérité. Et tenez bon, frères et sœurs, chacun à son poste. Chacun là où Dieu l'a établi. Parlez, priez, respectez tout le monde. N'allez pas menacer les gens. N'allez pas menacer ces faux pasteurs. Respectez tout le monde. Mais dites-leur la vérité dans l'amour. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et Christ. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mes amis, il faut la séparation comme Dieu a séparé dès le commencement dans Genèse 1, la lumière avec les ténèbres. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux, sortez de ces églises, sortez de ces bâtiments. Sortez de ces églises de maison où Christ n'est pas glorifié, où c'est l'homme qui est au centre, où vous n'avez pas le droit de vous exprimer, où l'argent a remplacé Dieu. Sortez de ce système religieux, vous risquez l'enfer, la perdition éternelle. Repentons-nous tous ensemble et revenons à Dieu. Préparons nos cœurs, car l'enlèvement peut avoir lieu d'une seconde à l'autre. Yeshua revient, frère, les noces sont déjà préparées, la table des noces est déjà apprêtée. Préparons-nous pour ce jour grand et glorieux. Alléluia. Et ne touchons pas à ce qui est impur. Et Dieu va nous accueillir. Et on sera ses fils de plus en plus et ses filles. Et il sera notre Père. Il l'est déjà parce que nous voulons le craindre et l'aimer. Au nom de Yeshua. Nous avons quelqu'un en ligne, si je ne me trompe. Il n'y a personne. Oui. Oui, allô, allô. Oui. Oui. Bonsoir. Je suis en ligne, oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est moi qui ai appelé tantôt, là. J'ai appelé tantôt, on m'a laissé en ligne, là. J'attends qu'on me passe à l'antenne. Mais c'est bon, c'est bon. Oui. Mais je n'entends rien parce que je me suis éloignée de mon ordinateur. Ben, c'est bon, vous pouvez y aller, là. Vous êtes en ligne. Ah oui, d'accord. Oui, bonsoir, Fréchora. Bonsoir. Oui, moi je vous appelle, c'est parce que je suis en train de vous suivre. Le message m'a beaucoup touchée.
Et c'est comme ma jeune sœur a dit tantôt, vraiment je rends d'abord grâce à Dieu de nous avoir sortis de cette église de Babylone parce que on a perdu tout notre temps à contribuer pour les pasteurs, croyant faire mieux pour Dieu. Et là, présentement, je vais dénoncer quelque chose que j'ai vécu moi-même personnellement. Un pasteur qui est venu de la France avec le café Organogold et qui le vendait dans l'église, s'il vous plaît. Donc, il est venu avec tout un carton de café là d'Organogold et il vendait ça à l'église. C'est Kakoujem, hein? Les fidèles qui étaient là, ils achetaient à 30 euros, s'il vous plaît, le paquet. Donc, vous voyez comment l'église de Dieu est transformée à un lieu de marchand, quoi. Donc, voilà, je vous soutiens dans tout ça. Voilà, je glorifie Dieu de m'avoir sorti dans tout ça. Que Dieu soit béni, ma sœur. En tout cas, bonne continuation. Organogold, voilà, une secte américaine qui, mes amis, est en train d'enrôler beaucoup de pasteurs et leur proposant de vendre un café et plein d'autres produits, mes amis, soi-disant pour la santé. Et beaucoup de pasteurs, notamment un faux pasteur à Paris ici, hein, donc Kakoujem, qui était certainement un vrai pasteur au début et qui se fait entraîner, happer hein, par l'église de Laodicée et qui vend maintenant ce café et qui fait la promotion même de ce café. Est-ce qu'on peut montrer un peu cette image-là sur YouTube de café Organo Gold? On va montrer cette dernière image-là aux frères et sœurs qu'ils voient eux-mêmes ce qui se passe parce que beaucoup ont les yeux, mes amis, complètement, ils ont des œillères, tout ça là, des œillères, et il faut vraiment que les écailles tombent, que l'on soit libéré de ce joug, mes amis, au nom de Yeshua. Donc, oui, Adonis. Oui, donc moi je voulais juste faire un petit message à tous les jeunes. C'était pour dire de laisser les choses par lesquelles nous sommes tant attirés, les jeux vidéo, les PlayStation, les mangas, toutes les choses qui peuvent nous attirer, qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous faire tomber, qui peuvent nous faire vraiment chuter. Tout ça, si vous pouvez juste laisser ça, donner, faire n'importe quoi, jeter tout ça, on n'a plus besoin de tout ça parce que ça peut nous éloigner de Dieu. Et c'est des choses vraiment qui ne font pas gloire à Dieu. Et faites et donnez surtout priorité aux choses qui font gloire à Dieu. Réfléchissons, regardons tout ce que nous faisons, changeons nos habitudes. Quand vraiment nous disons que nous avons accepté Dieu et que nous sommes chrétiens, on doit pouvoir, les autres autour de nous doivent pouvoir dire qu'ils aperçoivent un changement. Donc on doit pouvoir dire, ah vraiment, cette personne-là a changé. C'est tout ce que je voulais faire passer comme message à tout le monde. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, demain soir, il y aura une émission, on va faire une émission spéciale avec nos frères de la Guadeloupe. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous allez certainement encourager les frères à Didasco demain. C'est vrai. Ben, demain, il y aura certainement une émission. Voilà. Donc, en tout cas, soyez encouragés, fortifiés, frères et sœurs. Et voilà. Donc, prions pour tous les vrais enfants du Seigneur qui sont captifs, qui sont, mes amis, sous le joug de ces marchands de miracles, afin que Dieu les libère de leurs mains. Voilà. Donc, qu'ils le retiennent. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons nous repentir de tout ce que nous avons fait hier. Nous voulons nous repentir, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons être sauvés. Nous voulons, Seigneur, prier également pour tous ces pasteurs, prier pour tous ces chrétiens. Nous voulons prier, mon Dieu, Père, pour toutes ces personnes qui vendent, mon Dieu, ta parole. Nous voulons prier pour, mon Dieu, mon roi Père, alléluia, Patrick Fontaine. Nous voulons prier, mon Dieu, Père, pour tous ces pasteurs. Seigneur, parmi eux, il y en a que tu as réellement appelés et qui ont été happés, qui ont été, Seigneur, cooptés, qui ont été, mes amis, trompés. Nous voulons prier également pour Kakoujem, pour tous ces hommes. Seigneur, souviens-toi de ceux et celles que tu as appelés. Seigneur, éclaire-les. Seigneur, visite-les sur leur couche. Seigneur, sauve-les. Libère-les de l'enfer afin qu'ils te témoignent. Afin qu'ils aillent à leur tour libérer les frères et sœurs qu'ils ont gardés dans leur captivité, dans leur cachot, dans leur prison. Seigneur, qu'ils donnent ta parole gratuitement. Qu'ils enseignent ton peuple gratuitement comme tu l'as fait, Jésus. Seigneur, qu'ils s'attendent à toi, car tu es fidèle. Tu bénis l'œuvre que tu as commencée. Tu bénis les hommes et les femmes que tu as également, Seigneur, mandatés, établis. Seigneur, au nom de Yeshua, que ton nom soit glorifié.
Que ton nom soit élevé, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te prions ainsi par de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur en tout cas. Merci aux frères et sœurs de Belgique qui sont venus. Et merci aux frères et sœurs de Belgique qui sont qui viennent au programme et qui prient pour nous. Merci également à tous les chrétiens du monde entier qui ne sont pas avec nous dans ce ministère, mais qui sont dans le même royaume que nous, hein, avec qui nous partageons le même Père. Et que Dieu, notre Père, soit avec vous et sonnez la trompette dans vos pays, dans vos villes, dans vos quartiers. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et nous prions pour les frères et sœurs qui sont en Afrique, qui crient aussi comme nous, qui crient comme nous en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, partout, en Tunisie, dans les pays du Maghreb. Soyez tous fortifiés au nom de Yeshua. Yeshua, Maranatha, il vient bientôt. Amen. Au revoir.